L'ancienne ville, ainsi que le fort moderne auprès duquel se regroupent quelques maisons, est située non loin de la mer, sur une éminence assez escarpée. C'est ainsi que Prosper Mérimée, inspecteur des monuments historiques, commence la description qu'il fait du site d'Aléria, après son séjour sur l'île, en 1839. Au XIXe siècle, ce n'est évidemment pas un secret qu'un site antique envahi par la végétation atteste la présence romaine sur le littoral méridional de l'île. Mais il faudra attendre 1955 pour que des fouilles réveillent la belle endormie et livrent peu à peu ses secrets. Les vestiges d'une cité et d'une villa sont alors mis au jour, tandis qu'un peu plus au nord, la nécropole de Casabianda révèle des vases étrusques et grecs. C'est que l'occupation n'est pas récente. Vers le milieu du 5e siècle avant notre ère, Hérodote évoque des Grecs de Phocée, une cité sur la mer Égée qui y aurait trouvé refuge, chassée d'Asie mineure par les Perses. Ainsi serait née Alalia. Mais aujourd'hui, seuls les remparts pré-romains, flanqués de tours, évoquent l'architecture grecque. Opulente, la cité aurait ensuite attiré Étrusques et Carthaginois pour finalement exciter les ambitions de Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ avec Sylla, -81, César, -46, et Octave, -32. Bâtie selon un plan original, avec deux axes principaux et deux temples, Aléria sera ravagée au 5e siècle. Et son histoire comporte des trous dans lesquels s'est glissée une légende aux nombreuses versions. Elle parle de deux sœurs, Aléria et Diane, l'une douce et généreuse, l'autre hautaine et envieuse, dont les relations faites de jalousie et de rancœur se terminent noyées dans un cataclysme. Si vous allez visiter ce magnifique site, regardez bien. On dit que par temps clair, on peut apercevoir les ruines englouties dans les eaux profondes du lac. Vint ensuite le Moyen-Âge, où l'on réemploya plusieurs éléments d'architecture. Les pièces en marbre ont quasiment disparu du site, et de nombreux blocs de calcaire furent recyclés, compliquant ainsi la compréhension de l'histoire du site. Dans les siècles suivants, Aléria sera encore un grand acteur de l'histoire corse. Et ce n'est peut-être pas fini. Car en novembre 2017, une campagne de fouilles débuta au lieu-dit Lindinace. Mettant à jour les vestiges d'un village de la fin du Néolithique, les découvertes prouvent l'existence d'une présence humaine contemporaine à Otzi. Otzi, vous savez, l'homme des glaces découvert momifié depuis 5300 ans dans les Alpes. Pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Parce que figurez-vous que l'étude de son ADN a mis en évidence une mutation de chromosomes que l'on observe encore chez des hommes originaires de Corse et de Sardaigne.